Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour parler d'un sujet qui nous est cher, le travail hybride dans en l'entreprise. On est parti sur une approche pratique de ce que je considère comme une révolution dans l'organisation des entreprises, mais on va être très concret avec les bons réflexes à adopter. Dans un premier temps, je vais présenter la petite équipe qui va animer ce, ce webinaire. Je vais commencer par moi. Euh, donc, je suis DRH, euh, accompagnement euh, manager et, et métier. Et je travaille avec euh, Fabienne Gréco, que vous n'allez pas voir, mais qui est euh, coordonnatrice projet euh, RH Transverse et qui va répondre à vos petites questions dans le chat. Et je donnerai la parole tout à l'heure à Sébastien. Mais avant de lui donner la parole, je vais vous expliquer un tout petit peu le fonctionnement de cette salle. Donc, euh, sur votre droite, vous trouverez un bouton euh, chat pour inter intervenir euh, et poser vos questions. Euh, notre intervention va durer à peu près 40 minutes euh, et nous euh, passerons ensuite après, à la fin de l'intervention, à vos questions. En haut de la salle, vous avez trois boutons. En fait, vous avez le, le premier pour noter, commenter la conférence, euh, pour nous aider à nous améliorer. Euh, le second, si vous voulez être contacté par un expert à ESIO, Et le troisième, si vous souhaitez revoir euh, nos précédents webinaires qui sont sur euh, WebIKEO. Euh, vous pouvez télécharger le, le doc sous euh, la partie sondage, mais sachez qu'on vous l'enverra euh, une version plus complète euh, dans la semaine prochaine. Euh, pendant cette intervention, nous ferons un certain nombre de sondages, euh, et le premier que, que Fabienne va lancer dans le chat, c'est euh, quel est votre statut, qui êtes-vous, euh, qui est, êtes voilà. Et maintenant, je vais passer la parole à Sébastien, qui va se présenter et essayer de définir le télétravail, le travail hybride, pardon. Petite erreur, excusez-moi, j'ai oublié mon micro. Dit bonjour à toutes et à tous, merci, vraiment ravi de, de présenter un sujet qui nous est cher, comme le disait Sylvie, le travail hybride, euh, sur lequel nous avons été amenés à travailler longuement au sein d'AESIO Mutuelle, et l'idée est de partager nos expériences pratiques de ce sujet. Comme le disait Sylvie, euh, pour entrer dans le sujet, quoi de mieux que d'essayer de définir euh, ce qu'est le travail hybride, qui est un terme qui est apparu euh, relativement récemment on parle souvent de télétravail, on parle du travail sur site, mais le travail hybride, justement, c'est la combinaison entre euh, des périodes de, de travail en présentiel et des périodes de travail à distance, que ce soit au domicile sous la forme de télétravail ou ce soit dans un local pour pratiquer du coworking. Euh, et justement, l'intérêt de notre conférence, c'est de partager autour de ce thème-là, parce qu'on va voir que le travail hybride, c'est justement l'organisation du travail entre ces deux modes de travail. Pour euh, échanger, partager sur ce sujet, nous allons aborder les choses sous quatre angles différents. Le premier, on va s'attarder sur les objectifs, les atouts et points de vigilance du travail hybride. Le second axe, les questions essentielles qui, que nous estimons utiles de se poser en termes de travail hybride. En tout cas, c'est celles que nous nous sommes posées lors de la mise en place du travail hybride. Le troisième point qui est un point important, euh, c'est l'aspect managérial du, la, en termes d'approche du travail hybride. Et enfin, euh, nous vous dirons quelques mots du télétravail hybride, made in Asio Mutuel, ce que nous avons mis en place en la matière. Donc le premier euh, sujet, les objectifs. Donc nous allons passer aux objectifs du travail hybride. La slide suivante. Euh, le travail hybride, quels objectifs euh, L'idée, c'est enfin la question que, que, que nous nous sommes posées, qu'il nous semble intéressant de se poser en termes de mise en place du télétravail, c'est en quoi ça constitue un vecteur de performance et de bien-être au travail. Euh, un vecteur de performance euh, parce que nous estimons, et c'est comme ça que nous l'avons conçu chez Aesio Mutuel, que ce, la mise en place d'un tel mode de travail, donc du télétravail, l'alternance entre travail à domicile et travail euh, sur site ou en entreprise, ça doit s'inscrire dans une stratégie. On doit se poser la question en quoi ça peut contribuer à notre performance de mettre en place du travail hybride. Euh, il y a plusieurs axes. Nous, on a constaté par expérience, pendant, particulièrement pendant la crise sanitaire, que le, travail, le, le télétravail et le travail hybride, alors en l'occurrence on était quasiment en full télétravail comme tout le monde en, en crise sanitaire, avait, eu, avait permis des gains de productivité au sein particulièrement de nos services de gestion. On avait à l'origine plutôt des directeurs métiers qui étaient... Relativement sceptiques, voire opposés à la mise en place du télétravail, et qui sont revenus sur leur position et ont, ont été des promoteurs du travail hybride parce que se sont aperçus que sur un certain nombre de tâches, c'était un vrai facteur de performance et de productivité. Ce qui d'ailleurs est confirmé quand on lit un peu de littérature autour de, autour de ce sujet-là. Euh, il peut y avoir des gains de productivité sous, réserve, sous certaines conditions en termes de travail hybride. Donc ça s'inscrit dans la performance. Il y a aussi des gains en termes de foncier au niveau immobilier on, on, on le fait qu'il y ait moins de jours passés sur site peut permettre d'optimiser ses locaux de travail et de gagner aussi euh, sur cet aspect là donc là c'est des questions qu'il faut se poser en termes de performance en quoi ça s'inscrit dans la stratégie autre euh, Point important, c'est le vecteur de bien-être au travail, parallèlement, euh, puisque euh, les collaborateurs, euh, nous, on a, eu, on a eu la possibilité de les interroger sur le sujet, puisque comme on l'a mis en place très rapidement, un peu comme beaucoup d'entreprises liées à la crise sanitaire, bah, on a fait un petit peu un retour d'expérience et on s'est aperçu que c'était un mode de travail qui a été fortement plébiscité. Donc, on les avait, on va dire, on savait qu'en mettant en place le travail hybride, on aurait l'adhésion de nos collaborateurs et que ce serait un vecteur de bien-être au travail. Donc, un, nous, un, en termes de stratégie, on, a aussi, on trouve important de se poser les deux questions, le vert de performance de productivité économique, mais aussi bien entendu l'adhésion des collaborateurs et le côté euh, bien-être au travail qui est important. Passons maintenant à, euh, à quelques, quelques, un petit zoom, alors qui n'est pas exhaustif, mais sur les atouts et, et points de vigilance en termes de travail hybride c'est un peu, encore une fois, c'est son retour d'expérience et euh, qui a priori assez conforme à ce qu'on peut lire en la matière sur le sujet, c'est qu'on a des atouts, comme on vient de l'évoquer, en facilité de concentration à domicile, donc plus de productivité, on est moins dérangé, donc sur un certain nombre de tâches, euh, on gagne réellement en productivité, un engagement renforcé des collaborateurs lorsqu'il y a adhésion, c'est ce que je viens de dire juste avant, il faut bien sûr qu'il y ait une adhésion des collaborateurs pour arriver à ce résultat, une fédélisation, un attrait en termes de recrutement et un meilleur équilibre vie professionnelle, et vie personnelle. forcément, ça, le fait d'être à domicile peut faciliter un certain nombre de choses et un lien de confiance renforcé, notamment sous l'angle managérial, puisque la distance fait qu'on doit fonctionner différemment et apprendre à se faire confiance. les points de vigilance, dont certains sont un peu font écho d'ailleurs aux atouts, et justement c'est un petit peu le, 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 la complexité de ce sujet là, c'est qu'il y a un risque de perte de lien social un manque de communication potentielle entre les collaborateurs et leurs managers, une perte de potentiel de sentiment d'appartenance parce que à force s'il y a trop d'isolement, bah le, le, la connexion avec le collectif de l'entreprise peut être un peu mise à mal, et Bizarrement, j'ai presque dit le contraire juste avant, mais il peut y avoir une difficulté à établir une frontière entre la vie professionnelle et vie personnelle. On reviendra sur la partie management. Il y a des vrais sujets autour de la déconnexion en matière de travail hybride. Après, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est voilà, quelques, quelques sujets qu'il faut avoir en tête lorsqu'on met en place euh, le télétravail. Maintenant on a répertorié un certain nombre de, de questions que nous nous sommes posées, et qu'on pense intéressant de se poser, et je vais repasser la parole à Sylvie qui va commencer à vous les énumérer et à y répondre. Alors pourquoi se poser des questions? Moi j'ai une devise en matière de changement, c'est qu'il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Donc du coup, euh, c'est vrai qu'on on, on, s'était même... On avait essayé de se poser euh, un certain nombre de questions, parce qu'il y avait un moment qu'on travaillait sur ce, cet aspect-là. Le télétravail. Donc, les questions essentielles à se poser sont finalement de trois ordres. Euh, donc, les questions autour du poste de travail, des missions euh, et euh, de la de la capacité du collaborateur à les exercer selon les différents modes. Des questions autour des outils et de l'équipement et des questions autour des obligations, puisqu'il y a des obligations propres au télétravail euh, pour le pour l'employeur. Sur euh, si on veut rentrer en fait en, en détail sur ces différents, euh, euh, ces, ces différents critères, on va travailler en premier lieu sur les critères d'éligibilité en lien avec le poste de travail. Alors, euh, j'ai l'habitude de dire, oui, le télétravail, euh, tout le monde ne peut pas télétravailler. Vous apprécieriez difficilement qu'un pilote de ligne ou un chirurgien s'occupe de vous en télétravail. Donc, il y a des postes qui ne sont pas télétravaillables. Donc, il faut établir des critères d'éligibilité. Une fois qu'on a fait ça, on, a, on, on analyse bien sûr euh, euh, la, la, la nature des missions, euh, on fixe des critères, mais on se penche aussi sur la capacité du, travail, enfin, du, de, du collaborateur à travailler en, en, en autonomie. Alors, on y reviendra après, mais c'est vrai que c'est un, un point important. Quelqu'un qui, qui arrive dans une entreprise, un, un jeune salarié, on peut peut n'envisage pas de le mettre en télétravail tout de suite. Euh, ça, c'est vraiment les, les, les choses importantes et euh, il faut toujours être capable d'objectiver les, 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 les arguments et c'est pour ça qu'on a besoin de ces critères, parce que si on fait des refus, il faudra l'objectiver. Après, il y a des critères que je, je qualifierais de matériel. Donc, L'espace dédié au télétravail, c'est-à-dire le lieu du télétravail, le, le, la, le collaborateur doit pouvoir du, disposer d'un espace approprié euh, au travail, chez lui ou euh, à un autre endroit. Euh, on l'a vu pendant, pendant le confinement, hein, travailler sur une table de cuisine avec euh, cinq gamins, ce n'est pas possible. Donc euh, voilà, il y a des choses à, 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 à valider là-dessus. L'équipement informatique, on y reviendra, c'est quand même un, un point important quand on travaille à distance. Et euh, le corollaire, les connexions euh, en télétravail. Donc, on va passer euh, au point suivant ce sont les critères d'éligibilité euh, concernant le, 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 les, les fonctions qui sont euh, télétravaillables. Euh, alors, en fonction de, 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 de ces différents critères, on détermine l'éligibilité des différentes fonctions dans un premier temps de l'entreprise. Et, le point important là, c'est qu'il est important de le, de le faire avec les managers concernés. Euh, ce seront les premiers interlocuteurs des, des, des collaborateurs, donc faire ce travail avec eux, le faire valider et l'argumenter le, le, avec eux. Ensuite, on va passer euh, au type de mission euh, qui sont télétravaillables pour chaque poste concerné. Pourquoi le type de mission Parce que... Euh, ce serait si, trop simple si c'était euh, si facile à analyser, mais il peut y avoir des fonctions où des missions sont télétravaillables, d'autres ne le sont pas. Donc là, il faut rentrer un peu plus en avant. Et il est toujours ce travail d'analyse il, il faut le faire avec les, les managers et les collaborateurs. On, nous, on, a, on est passé par certaines phases d'expérimentation euh, qui étaient limitées dans le temps et en nombre de postes de travail. Pour voir si euh, on pouvait bien mettre en pratique et, et surtout procéder aux ajustements nécessaires parce qu'on ne réussit pas à tous les coups. Voilà. Donc, sur ce, quand on en a bien fait ce travail, je vais passer la, la parole à, à Sébastien qui va vous parler de finalement, après, quelles sont les formules du télétravail. Merci Sylvie. Euh, avant de passer sur les, sur les formules, je vais lancer un deuxième sondage euh, qui est euh, la question, le travail hybride est-il déjà en place dans votre entreprise Donc là, euh, Fabienne va l'envoyer le, dans le chat et vous pourrez répondre à cette question. Donc je poursuis euh, effectivement par rapport aux questions, on va dire qu'il qu est intéressant de se poser, les formules de télétravail. Euh, bah, elles sont multiples les formules de télétravail et c'est un sujet qui n'est pas il ne faut pas négliger dans, dans l'analyse qu'on qu peut faire quand on met en place le travail hybride il y a plusieurs axes pre le premier axe c'est la période de référence quelle période euh, souhaitez-vous mettre en sur quel type de période souhaitez-vous mettre en place le télétravail quand je dis période c'est est ce qu'on fait on prend une analyse sur la semaine hebdomadaire donc mensuelle annuelle semestrielle euh, parce que bah, ça peut, en, en fonction, vous avez plus ou moins de flexibilité dans l'organisation de votre travail hybride. Si vous avez une période relativement courte, bon, bah, le, un, deux jours par semaine, la flexibilité d'organisation notamment du manager est moindre. Par contre, si vous avez une période plus longue, vous pouvez avoir des périodes fortes en télétravail et des périodes plus plus, de, plus en présentiel sur site. Donc ça, c'est un premier axe de réflexion. Le deuxième axe de réflexion qui est très important également, c'est la détermination du nombre de jours de télétravail. Euh, c'est important et on le verra après sur la partie management parce qu'en fonction de ce que vous choisissez, pareil je prends un exemple assez simple, si vous choisissez une, un jour par semaine de télétravail ou si vous choisissez une formule à quatre... Voire cinq jours carrément de télétravail par semaine, les impacts en termes de lien social et d'appréhension du management et d'organisation de l'entreprise en général, les gains de productivité ou l'immobilier, ne sont pas les mêmes. Donc, euh, c'est aussi un point important à réfléchir et qui peut être variable en fonction de, du poste occupé par les collaborateurs. On peut avoir différentes formules, euh, et différentes périodicités, différents nombres de jours de travail au sein de, de votre organisation. Donc ça, c'est un point à bien réfléchir, et à pas négliger, parce que ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que les impacts derrière en termes de lien social, d'engagement, de, de, de travail en collaboratif euh, n'est pas négligeable. Et puis après, l'extrême, le, le point un peu extrême, euh, pour le coup, à l'inverse de ce que je viens de citer comme exemple, c'est-à-dire d'avoir cinq jours de télétravail par semaine, c'est de recourir au télétravail occasionnel, qui pour le coup, là, est plus une entrée, on va dire, euh, à petite touche en termes de... Hum, de travail hybride, c'est ce qu'on a appelé en bas le, le télétravail occasionnel ou ponctuel, où on donne quelques jours de télétravail à ses collaborateurs par an, histoire qu'ils puissent bénéficier d'un travail à domicile. Mais là, c'est vraiment un, un, un télétravail très limité, une hybridation très orientée site et pas, et pas télétravail. Autre question euh, importante à se poser, c'est quels sont les différents types d'outils nécessaires au télétravail. Parce que euh, même si ça s'est pas mal démocratisé avec la crise sanitaire, on va dire, entre guillemets, à marche forcée, il est important de se poser la question euh, si, de, pour, de savoir si on a bien les outils nécessaires. Alors quand on pense à outils, ben, c'est tous les outils de communication, on va dire, qui permettent euh, aux collaborateurs de travailler euh, à domicile ou ailleurs dans des bonnes conditions, bah on pense tout de suite à ce qu'on est en train de faire, hein, de, par exemple une, des, des outils visio, Teams ou Zoom, que ça fonctionne bien. Alors d'avoir les outils, c'est une chose, mais que ça fonctionne bien au niveau réseau informatique. Donc il y a tout un, un plan d'action informatique à mener autour de ça. Et ça, c'est une question fondamentale. Il y, a, il y a un vrai dossier informatique en mise en place de, de, du travail hybride. Quid de l'équipement aussi des postes de travail à domicile parce qu'il ben, est évident, c'est que si les gens travaillent chez eux, il faut qu'ils aient les moyens de le faire. Donc, euh, soit par un ordinateur portable, ce qui est sans doute la voie la plus simple, la plus courante désormais, soit un autre poste fixe, ou des connexions à distance depuis un poste personnel. Enfin, toutes les formules sont possibles, mais encore une fois, ça nécessite euh, d'impliquer euh, l'informatique dans le, dans le dossier et de se poser les questions en amont. Encore une question. Euh, Importante à se poser, c'est l'angle santé et sécurité au travail des collaborateurs. Comme, euh, comme vous le savez sûrement, euh, l'employeur a une obligation de santé, de prévention de la santé euh, physique et morale des collaborateurs, une obligation dite de résultat. Donc une implication lourde pèse sur les employeurs en la matière, en général. Mais ce n'est pas parce que les personnes vont travailler de chez elles que cette obligation n'a plus lieu. Au contraire, il faut prendre toutes les mesures euh, nécessaires euh, pour qu s'assurer que le collaborateur a euh, les bonnes conditions de travail à son domicile ou à, sur son lieu de télétravail. Donc, comment, euh, c'est la diapo suivante du coup, comment euh, on, on met en place euh, ces actions Qu'est-ce qu'on qu doit faire concrètement Alors, il n'y a pas d'obligation. De fournir par exemple un bureau, une chaise adaptée, vous n'avez pas l'obligation de dire si votre collaborateur télétravaille depuis chez lui de fournir tous ces équipements-là. Ce n'est pas une obligation, néanmoins c'est une possibilité. Si vous pouvez le faire, c'est effectivement mieux parce que vous, avez, vous garantissez davantage le, le respect de votre obligation de santé et de sécurité. Euh, les mesures qui sont prévues. Alors, par la législation, c'est de prévoir des formations et de l'information sur l'aménagement du poste de travail euh, pour les collaborateurs qui télétravaillent, mais aussi pour les managers de, de collaborateurs qui télétravaillent et pour les collègues de, télé de télétravailleurs. Donc, ça veut dire que déjà, il y a tout un aspect formation, accompagnement en amont de la mise en place du, du travail hybride et du, du télétravail plus particulièrement. Ça, c'est le premier point qu'il est impératif de prévoir. Euh, le deuxième volet qui est possible, qui est prévu aussi, euh, si c'est prévu dans un, dans un accord ou une charte, bien entendu, c'est de visiter le lieu de télétravail de, du collaborateur pour s'assurer que les conditions de travail répondent bien aux standards euh, requis euh, dans l'entreprise. Alors ça, c'est une option. Alors nous, on ne l'a pas prise, euh, mais euh, elle est possible sous réserve que ça soit prévu dans un texte euh, type charte ou accord et que ça soit avec l'accord du collaborateur. En préalable, nous nous avons opté pour la troisième solution, euh, c'est de faire signer une attestation sur l'honneur au collaborateur dans laquelle il atteste qu'il travaille dans des conditions requises. Alors c'est euh, dans nos formulaires de demande de télétravail, nous, nous nous avons précisé une clause autour de ça. Alors ça le responsabilise. Après, on n'a pas été vérifié sur place euh, que les conditions sont bien remplies, mais au moins on responsabilise le collaborateur et ça a le mérite sous l'angle juridique de nous couvrir, entre guillemets. Après, la jurisprudence n'est pas encore très pléthorique sur le sujet, mais euh, au moins, c'est une voie possible pour se couvrir juridiquement. Parce qu'il y a deux volets à prendre en compte. Le premier volet, c'est bien entendu de préserver la santé et la sécurité de vos collaborateurs. Et le deuxième volet, c'est d'être en capa de, capacité de le justifier sous l'angle juridique. Nous, pour, pour illustration, nous avons mis en place les, on une livraison de chaises ergonomiques pour nos collaborateurs sur leur lieu de télétravail. Nous sommes en train de déployer ça. C'est une mesure que nous avons prise justement pour répondre à cette obligation de santé et sécurité auprès de nos collaborateurs. Euh, maintenant, euh, je vais repasser la parole à Sylvie, qui va vous parler d'argent. Alors, euh, je vais vous parler d'argent parce qu'en fait, euh, ben nous, euh, j'ai vu qu'il y avait dans le sondage 22% de gens qui étaient au RH. Après, il y a des, des, des gens qui sont euh, indépendants ou dirigeants euh, salariés. Euh, à un moment donné, on va vous, on va vous poser des questions sur euh, combien ça coûte. Euh, donc, le, travail, ça, le télétravail, ça coûte. Il faut distinguer en fait deux types de coûts. Euh, il faudra prévoir donc euh, des coûts plutôt d'investissement et des coûts de, de, qui vont être du run. Donc l'idée c'est de mettre en place un budget spécifique qui met en évidence les coûts, mais aussi les gains attendus. Donc du coup, sur la, pour appliquer la législation en vigueur, on doit prévoir une indemnité pour compenser les dépenses supplémentaires occasionnées par le télétravail. Donc, c'est la prise en charge de, de, des frais tels que l'électricité, chauffage, connexion Internet, etc. Euh, on peut faire plusieurs choix. Nous, on a fait le choix de, de donner un, un, un forfait journalier de 2,50 euros, au delà de toute façon, c'est chargé. Jusqu'à 2,50 euros, ce n'est pas chargé. Et ça, c'est un coût récurrent parce qu'il sera euh, euh, payé tous les ans. Les autres coûts vont concerner l'équipement et l'aménagement du poste au domicile. Donc, euh, comme vous l'a rappelé euh, Sébastien, l'équipement, c'est plutôt de l'équipement informatique. Nous, on a fait le choix d'équiper nos salariés pour être sûr qu'ils aient vraiment le bon équipement. J'ai vu dans les questions qu'il y avait une question sur le téléphone euh, portable. Euh, Est-ce qu'on est obligé d'équiper de téléphone portable Non. Euh, nous, on a fait un choix, par exemple, de de, de la communication via Teams, euh, bah, via, euh, via le, le téléphone Teams. Donc, ça peut être ça aussi. Euh, voilà, c'est un choix d'entreprise. L'investissement aussi, c'est ben, ce que vous disiez, euh, Sébastien. Nous, on a investi euh, dans des, des fauteuils euh, euh, pour, pour l'ergonomie. Euh, ça, par exemple, on peut l'amortir sur plusieurs années. Donc, ça peut avoir un, un, un intérêt quand vous construisez votre budget. Et ensuite, comme les financiers vont vous poser la question, mais le télétravail, ça rapporte quoi ben, Il y a des gains et les gains, il faut les mettre en avant. Euh, on vous a parlé tout à l'heure de la réduction des surfaces immobilières. Si on l'organise bien, on, on peut réduire les surfaces immobilières. Et sur des, des locaux comme sur Paris ou sur des grandes villes, ça peut être intéressant. Les frais de transport, ben, il y a plein de frais de transport qui sont pris en charge par l'employeur aujourd'hui, ils peuvent diminuer de, du fait du télétravail selon le nombre de jours pris. Un point très important. Euh, la baisse de l'absentéisme. Il est euh, clair et prouvé maintenant à peu près euh, partout que euh, la mise en place du télétravail assez généralisé, c'est un point de baisse d'absentéisme et ça, ça, ça peut se, se chiffrer. Et ensuite, on a constaté, euh, et nous, on l'a vraiment constaté sur des services, notamment de production et de gestion, une productivité accrue qui représente un gain aussi. Donc, il faut mettre tout ça dans la balance pour. pour euh, pour euh, faire vraiment un, un budget qui, qui tienne la route et expliquer que le télétravail ça coûte c'est de l'investissement mais ça rapporte aussi à l'entreprise euh, sur la suite eh bien, je vais passer euh, la parole à, repasser la parole à, à Sébastien qui a vous parler de son sujet de prédilection qui est le management en mode hybride et je vais lancer le troisième sondage est-ce que euh, à, à l'heure où nous parlons euh, avec tout ce qu'on vous a dit est-ce que vous avez des appréhensions pour euh, tout ce qui euh, euh, est, euh, représente le management en mode hybride. Merci Sylvie. Mon sujet de prédilection, tu dis, il va fort. Euh, oui, disons que c'est un sujet. Enfin, je pense que c'est un sujet important pour le coup, euh, mais que nous, hein, très modestement, on découvre l'importance de, de, du management. Euh, on apprend en marchant et le travail hybride. Je pense qu'on apprend tous un peu euh, comme ça et on se rend compte à quel point le, le rôle du management est peut-être encore plus important qu'on ne l'imaginait en matière de, de travail hybride. Donc, pourquoi euh, est-ce important Parce que comme on l'a déjà évoqué, mais, on le, mais en, en, le en le répétant, ça, ça, ça va bien parce que je pense que c'est très important. Il y a un certain risque de cloisonnement du travail. Il y a une perte euh, de potentiel de lien entre les collaborateurs et un risque de manque de transversalité. Et ça, euh, nous, c'est des choses qu'on peut constater sur lesquelles on travaille hein, pour y remédier, mais c'est des choses qu'on a constatées. Et le management étant vraiment en première ligne pour limiter ces risques-là. Alors là, on vous a remis euh, quelques questions bah C'est des idées, hein. pas, euh, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais l'idée de, de se poser des questions et de travailler avec son management, de l'accompagner, d'avoir une vraie réflexion autour de ça. Alors les questions, ça peut être quand est-il est nécessaire de travailler sur site, quels sont les moments euh, qu'on souhaite sanctuariser, des rituels qu'on souhaite mettre en place ou conserver, euh, ce qu'on appelle les, les tâches, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, les tâches qui sont télérobustes ou téléfragiles, quelle mission il est mieux de faire. Sur, dans l'entreprise ou en télétravail et quelles compétences au niveau managérial acquérir Alors, alors je n'ai pas les réponses à toutes ces questions. Les réponses peuvent dépendre, bien entendu, de chaque organisation. Mais le, le conseil qu'on vous donne en pratique, c'est vraiment de se poser les questions autour de ça et de travailler euh, vraiment avec le management de votre organisation sur ce sujet. Le, le, au niveau de la diapo suivante, pourquoi il, faut, il est important de se poser ces questions-là Parce que le travail hybride constitue un bouleversement de l'animation de l'équipe. Alors, c'est plus ou moins prégnant en fonction de si déjà le management était s'exercer à distance ou pas. Mais si vous aviez un management de proximité physique et que les collaborateurs et leurs managers euh, interagissaient toute la semaine euh, dans les mêmes locaux, ben, ça change quand même pas mal la donne parce qu'en fonction si vous avez un télétravail important, ben, il va falloir que le manager soit encore plus fasse encore plus preuve de pédagogie, donner du sens et expliquer euh, et on prend encore plus son importance, et euh, la fixation des objectifs est peut être à regarder différemment aussi, parce qu'il pouvait y avoir peut-être des l'approche du temps de travail euh, évolue, et donc les objectifs qui pouvaient être fixés sur, en lien avec le temps de travail peuvent avoir moins de sens. Parce qu'on s'est aperçu, et nous aussi par l'expérience, que même si le temps de travail officiel des collaborateurs qui badge reste le même, on sait très bien que les journées s'organisent un petit peu différemment. Il euh, y a des, du travail plus tardif, du travail plus matinal, euh, des coupures en journée qui sont différentes. Mais ça, c'est l'expérience. Et ce qui fait que le management doit jouer un rôle euh, bah, différent, doit renforcer peut-être l'essence même du management au départ, mais déléguer encore davantage, faire, faire confiance, lâcher prise. Euh, c'est des, des, des attitudes et des aptitudes que le man management doit développer. Je dirais qu'il est important, nous, on va le faire dans un cadre d'un parcours manager euh, dans le cadre d'un parcours manager qu'on va mettre en place, et je travaille là-dessus euh, au niveau d'Aesio mutuel, à travailler sur une partie complète sur le management hybride, pour les, les, les vraiment mettre en place les, les, les actions les plus pertinentes en la matière. Pour continuer à développer, il y a, il y a une, à, la, à la diapo suivante, on a un, une indispensable maîtrise des outils digitaux. On l'a déjà évoqué euh, tout à l'heure avec l'équipement pour le télétravail, mais c'est aussi valable pour le manager dans sa façon d'appréhender euh, le management. Dorénavant, bah, les réunions physiques euh, peut-être le seront moins. Il faut qu'il en reste, mais il y en aura moins. Donc, on aura des, des réunions en distanciel qui sont de fait plus courte, qu'il faut organiser différemment, il faut en faire des moments forts, et donc il faut maîtriser aussi cette manière d'animer euh, des réunions en distanciel. Donc c'est pareil, en termes d'accompagnement et de formation du management, ça paraît important de travailler là-dessus. Le manager doit aussi. Euh, alors c'est peut-être assez répandu maintenant, mais pour autant c'est important de le redire, bah, savoir appréhender ces outils-là et les nouveaux outils, notamment la création de communautés qui peut être efficace pour la gestion d'un projet dans une équipe, où nous on travaille beaucoup avec des équipes Teams en fonction des projets, ou la messagerie instantanée, enfin tout un tas d'outils qui sont maintenant plus courants. Mais qui, si en France, dans le rétroviseur deux ou trois ans en arrière, était relativement rare, et qui maintenant il faut maîtriser et utiliser pour animer la vie de son équipe et la faire vivre. Donc c'est une approche euh, différente que le manager doit intégrer. Enfin, dernier sujet euh, pour ma partie et je repasserai la parole à Sylvie ensuite. Le bien-être au travail. Vous me direz, ben, le manager, ça fait partie de ses missions qu'il soit qui est du télétravail ou pas, le manager euh, doit, se, doit avoir dans dans sa to-do list, si je puis dire, l'assurer le bien-être au travail, c'est une obligation légale en plus, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais le travail hybride, et notamment quand le, le for, il y a un fort taux de télétravail, il faut bien intégrer que la, la notion d'isolement, de risque d'hyperconnexion, de risque de déséquilibre entre la vie privée et la vie professionnelle est accrue. Et ça, on l'a constaté. Hein, je veux dire, nous, nous-mêmes, par expérience, maintenant on commence à avoir un peu plus de recul, on constate tout ça. Et donc, il faut travailler. Sur, euh, sur ces sujets là encore plus parce qu'il euh, faut vraiment que le manager soit dans une posture de bienveillance mais et, et, et mette en place les outils, mais c'est un peu ce qu'on a évoqué juste avant, mettre en place les, les outils, les échanges réguliers, les, les réunions physiques en distanciel, les entretiens bilatéraux, c'est pas parce qu'on est en télétravail euh, et qu'on ne se voit plus qu'on euh, on doit laisser cette distance s'installer. Il faut au contraire renforcer le lien et travailler sur la façon dont on organise ce lien avec ses collaborateurs pour eh bien, voir plus voir les les, les potentiels signaux faibles. Parce que quand on est en physique et qu'on se côtoie toute la journée et qu'on se voit. C'est assez facile, entre guillemets, même si ce n'est pas toujours facile, mais de voir si son collaborateur a un souci. Mais quand on est en distanciel chacun chez soi, si on ne prend pas l'initiative et le management ne prend pas l'initiative d'organiser ces moments, ça peut être un, un risque majeur en termes de santé au travail. Donc le manager doit organiser euh, des, des mesures et des, des, pas des, 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 des modes opératoires pour s'assurer du bien-être au travail de ses collaborateurs de manière encore plus accentuée lorsqu'il y avait du travail seulement en présentiel. Je repasse la parole à Sylvie, qui va prolonger les échanges sur le management, en vous livrant quelques retours d'expérience que nous avons vécu au sein d'Aesio Mutuel. Alors, nous, euh, sur, sur euh, Aesio, effectivement, on a, on a quand même expérimenté pas mal de choses. Et euh, donc, on, on, on est à même de voir quels sont les, les, les points importants. Donc, le manager doit euh, réfléchir à l'activité qu'aura son salarié en présentiel. Si, euh, en plus, le, le, le télétravail est développé, le, les jours où il revient en présentiel, il ne peut pas faire du Teams toute la journée, par exemple. Nous, c'est ce qu'on nous a reproché euh, au retour de, 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 du confinement. Donc, il doit favoriser les activités d'échange, de cohésion et de réflexion collective lors des, 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 du retour en présentiel. Ça veut dire qu'il l'organise. Qu ce que ça, qu'est-ce que, quel est l'intérêt de, 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 de cette organisation et de, de ces points C'est de favoriser le partage, l'esprit d'équipe, la motivation et de redonner du sens au présentiel. Moi, j'avais euh, j'avais donné le concept, euh, réenchanter le présentiel. Bon, tout le monde s'est moqué de moi, mais c'est c'est un point important. Donc euh, des réunions d'équipe qui comprennent des temps de réflexion autour d'un sujet, de la co-construction. Euh, si vous avez des échanges sur les évolutions d'organisation, c'est plutôt en, en présentiel. Pareil, euh, si vous avez des formations où on doit partager, euh, on doit partager euh, des choses ou s'aider se, 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 les uns les autres, c'est mieux en présentiel. Bien entendu, les entretiens annuels, les entretiens, les entretiens d'évaluation annuels, les entretiens et un objet impactant pour le collaborateur, réorganisation ou, ou évolution de sa fonction, de ses missions. On les fait en présentiel, c'est aussi une forme de respect. Euh, le, nous sur l'entretien annuel euh, bilan, euh, on a une rubrique euh, euh, pour évaluer d'ailleurs euh, euh, comment le, 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 le collaborateur euh, vit le, 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 le mode télétravail, le mode hybride. Donc ça c'est important de le faire. En Distanciel, c'est pareil. Réfléchir aux activités qui sont euh, ben, finalement qui ont de la valeur ajoutée. En, en distanciel. Donc, globalement, ce qu'on a déterminé, c'est tout ce qui nécessite. Alors, soit de la saisie, nous, on a des gens qui font de la saisie. Euh, donc, là, ils ont, ils ont vraiment augmenté leur productivité en, en présentiel, en distanciel, pardon, parce qu'ils sont plus tranquilles, ils sont plus au calme chez eux. C'est vrai aussi des, des activités comme la, les, les, les plateaux téléphoniques. Déjà, ça fait moins de gens sur les plateaux, donc moins de bruit pour ceux qui sont en présentiel. Et ceux qui sont en distanciel sont euh, beaucoup plus tranquilles pour appeler euh, nos adhérents ou nos futurs clients. Euh, donc aussi la réalisation d'un livrable, donc un dossier, un, un document. Les réunions, ça se peut se faire en distanciel, mais c'est de, des réunions d'information descendantes. Il n'y a pas énormément d'interaction de, 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 énorme à avoir, sauf si on est sur des tout petits groupes qui fonctionnent bien. Mais sur des grands groupes, c'est vraiment du descendant. Et euh, tout ce qui est entretien récurrent d'activité, où on a un cadre bien précis, un timing, on peut le faire comme ça. Donc, toujours se demander avant chaque, euh, chaque action quelle organisation favorise le plus l'efficacité, la performance en présentiel ou en distanciel. Si on veut aller un peu plus loin euh, euh, sur ce, ces questions-là, euh, bah là, en fait, on, nous, on a repris des questions que. Que nous ont posé des managers et c'était une question qui s'est posée et ça nous a un peu étonné. Un collaborateur peut-il refuser de se déplacer pour assister à une réunion ou une formation en présentiel Au sortir du, du confinement, euh, il y a carrément des gens qui ont dit :« Mais moi, c'est terminé, je me déplace plus. Euh, vous avez qu'à vous faire vos trucs en distanciel. Ben non, on, on peut obliger un, un collaborateur si la réunion est en, en présentiel à y assister, euh, ainsi que la formation. La seule raison qui ferait qu'il ne pourrait pas y assister, c'est pour euh, s'il a un avis euh, médical euh, contraire. Toujours pour aller plus loin. Alors ça, c'est vraiment notre expérience parce que on, on, on a, on a, on a, expérimenté ce qu'on appelle les réunions hybrides. Donc les réunions hybrides, c'est une pratique qui s'est renforcée parce qu'en fait, on s'est dit, ben voilà, on a, on a des gens en présentiel dans la réunion, on a des gens en distanciel, et tout ça, ça va se parler, etc. Et tout ça, c'est pas une bonne formule. Euh, si le choix est laissé euh, aux participants, euh, la grande, une grande partie va rester en distanciel parce que ben, se déplacer c'est compliqué quelquefois. Nous on est éclaté sur toute la France et sur plein de, de, de sites donc c'est un peu difficile. Et puis après l'animation et l'interaction, c'est vraiment plus compliqué. Animer en, en, avec du présentiel et distanciel, mais vous oubliez ceux qui sont à distance. Ils se sentent frustrés, enfin, etc. Nous, on, on l'a fait par exemple pour notre comité d'entreprise, et euh, quelquefois, ça, ça, c'est vraiment euh, très très dur. qu'ils sont à distanciel, ils euh, disent qu'on n'écoute pas leurs questions, etc. Donc, c'est compliqué. Euh, donc, le, le recours réunion hybride. Euh, ça peut être envisagé, mais toujours si c'est du, du, du descendant. On a quelque chose à présenter. Il euh, y, y, y a très peu d'interlocuteurs qui parlent et il n'y a pas d'interaction. Mais sinon, oubliez l'hybride pour les rimes. Pour voilà, sur ce, je vais, pour aller encore plus loin que moi, je vais laisser la parole à Sébastien sur. Le télétravail Madine Aesio Mutuel, puisque nous on a eu deux, deux phases. Une phase où on avait mis une charte euh, juste avant le confinement. Et, euh, et, et maintenant on est sur un nouvel accord euh, hybride. Merci Sylvie. Donc je vais lancer avant de juste vous donner de dire quelques mots du, du télétravail tel qu'on l'a conçu chez AESIO, le quatrième sondage, euh, c'est êtes-vous prêt à mettre en place du télétravail hybride dans votre entreprise oui, non, ou presque, vous, vous posez des questions. Donc, vous pouvez répondre à ce sondage qui va être mis dans le flux de discussion. Alors, Aesio, qu'est-ce qu'on a vu euh, En quelques mots, pour laisser un peu de temps aux questions avant la fin de cette conférence, on a des critères. Les critères d'éligibilité, je ne vais pas m'y attarder plus que ça parce qu'au fond, c'est un peu ce qu'on a évoqué sur les questions. C'est-à-dire, on a regardé les, les postes, on a regardé euh, euh, l'espace de télétravail, euh, on a regardé euh, les connexions. Euh, L'autonomie des collaborateurs. Donc, ça, on l'a évoqué dans le déroulé. Je, je ne détaille pas plus. Je, je m'attarde un tout petit peu plus sur les formules de télétravail que nous avons mises en place. Alors, les formules de télétravail, il y a, nous, on, est, on était jusqu'alors sur des, des jours fixes et de l'hebdomadaire. Enfin, on avait un mix entre du mensuel et du de hebdomadaire et des jours fixes et du flexible. Donc, on avait les différentes formules. On est revenu avec notre nouvel accord travail hybride à des formules mensuelles. Euh, flexible, c'est-à-dire qu'on a des forfaits à 13 jours par mois de télétravail, 8 ou 4 jours, qui sont adaptés en, en fonction des postes. On a des postes qui sont à 4 jours, d'autres à 8 et d'autres à 13, Je que une grande majorité de nos collaborateurs, qui sont en qui occupent un poste éligible, sont à 13 jours de télétravail par mois. Ce qui fait qu'on a une hybridation fortement orientée télétravail. Et c'est pour ça que nous, on a des questions qui se posent autour de, comme disait Sylvie, de réenchanter notre présentiel. Je trouve l'expression sympa pour ma part, euh, parce que c'est des vraies questions, blague à part, c'est des vraies questions qui se posent sur le lien social et l'appartenance à un collectif de travail. Donc nous, on, est, on passe sur une forme relativement flexible où le manager a la main pour organiser avec ses équipes euh, les, une planification de télétravail sur une périodicité mensuelle. En termes d'horaire, euh, juste en formule de télétravail, on a mis en place quelque chose de, plutôt lié à la santé, mais il y a quelques cas d'autres sur ce qu'on appelle du télétravail augmenté. Alors là, on est encore plus fort en télétravail. On, euh, on, on est sur un télétravail quasiment à plein temps, sauf 2 à 4 jours par mois passés en entreprise. Et là, c'est pour des cas spécifiques de personnes qui ont des difficultés euh, en termes de santé ou des situations particulières personnelles de handicap, femme enceinte, euh, un avis médical. Il y a quelques autres cas aussi pour des personnes. Pour une mesure fin de carrière, les personnes qui ont plus de 60 ans peuvent éventuellement recourir à ce mode-là de télétravail ou des personnes qui sont très éloignées de leur lieu de travail. Enfin, on a quelques cas comme ça. Donc, ça, c'est la grande nouveauté de notre, de notre un nouvel accord travail hybride où là, on va loin, on va en dire qu'on va très loin, mais c'est sur quelques cas précis en termes de télétravail. Sur la partie euh, horaire de travail, en télétravail, on a juste une petite particularité intéressante, c'est qu'on a mis en place des, des badgeages possibles, parce qu'on a des gens qui badgent le matin, on a des gens qui badgent au poste, et on a autorisé sur les plages variables le matin, le midi ou le soir, de s'absenter deux fois par jour, une fois par exemple le matin, une fois le soir, pour aller, euh, alors l'idée c'était ça au départ, après on ne peut pas vérifier, mais pour aller par exemple conduire ses enfants à l'école et les rechercher le soir. On savait que ça se faisait, que les gens ne débadgeaient pas et que ça se faisait quand même. On a préféré le, le mettre dans l'accord, et comme ça, c'est institutionnalisé, et c'est une mesure de parentalité qu'on trouvait. Quand je disais que le temps de travail évoluait, que les approches évoluent, quand on a du télétravail, on se rend compte que les choses évoluent. Et donc il faut qu'on adapte et on, je pense que ce n'est pas fini. On continuera à adapter, je pense, nos réglementations en termes d'horaire de, de travail. Euh, L'indemnisation, Sylvie l'a dit, on est à deux euros et l'accompagnement, on en a parlé, on a mis enfin je ne sais plus si on en a parlé d'ailleurs, on a mis en place une formation en e learning euh, pour accompagner, oui, on en a parlé, euh, nos télétravailleurs. Je repasse la parole à Sylvie qui va vous parler un petit peu d'un jeu mutuel qui on est. Alors avant de vous parler de, de qui on est, euh, j'ai regardé les résultats de vos sondages, donc euh, c'est vrai que vous avez pas mal d'appréhension sur la partie euh, management, et je crois que c'est vrai que c'est la partie qui demande à être le plus travaillée dans nos, dans nos accords et surtout dans la mise en place euh, du télétravail. Alors qui sommes-nous AESIO, bah, nous sommes le regroupement de trois mutuelles qui s'appelaient Adrea, Preva et OVMCD. Euh, nous sommes une mutuelle qui euh, veut donner à chacun les moyens de vivre mieux, euh, au niveau de la santé, de la prévoyance, de la retraite, nous avons des valeurs de solidarité parce que nous sommes mutuels. Nous n'avons pas d'actionnaires. En quelques chiffres, nous avons 2 millions 800 000 adhérents, euh, 270 agences alors sur toute la France, euh, 38 000 euh, entreprises adhérentes et euh, 200 co conseillers collectifs et 850 euh, courtiers accrédités. Donc, on propose des offres dédiées pour euh, vous, pour vous protéger. Et on met en place des solutions adaptées et euh, nous, euh, à notre petit niveau euh, et euh, à la suite de ce webinaire, on pourra aussi vous donner des conseils sur, euh, sur, euh, sur le télétravail et sur l'accompagnement du télétravail. Donc, je vais passer à, puisqu'on est dans les temps, euh, je vais passer à la, la partie questions-réponses. J'ai vu déjà passer des questions. Euh, donc, je pense qu'il y en a une qui était pour Sébastien. Est-ce qu'on peut obliger euh, un salarié à télétravailler euh, Je te repasse un Parole, Sébastien, sur ça, parce que je, je pense que non. Ouais, je vais je... remettre mon micro. Euh, Peut-on obliger Eh bien non, bien Sylvie. <rire> effectivement, <rire> effectivement, on ne peut pas. Alors, euh, moi, je l'ai découvert en fait j ai, j ai, en travaillant sur ce sujet-là, à travers nos, 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 nos mise en place de notre travail hybride. Non, on ne peut pas euh, imposer du télétravail à un collaborateur. Il faut que ça soit un acte volontaire. Et si son acceptation doit être matérialisée par tout moyen. Notamment, ça peut être un avenant, mais ça peut être aussi par la, la, la signature d'un formulaire de demande de télétravail. Donc non, on ne peut pas imposer à un télétravailleur de télétravailler. Et il y avait une autre question que j'avais vue qui était à l'inverse. Est-ce qu'on peut oui. refuser, je crois, je reprends, est-ce qu'on peut refuser à un télétravailleur de télétravailler euh, ben La réponse est oui, cette fois-ci. Mais euh il faut argumenter. encore argumenter, objectiver les choses. C'est-à-dire, si justement, c'est l'intérêt de fixer dans votre accord des critères bien définis sur l'éligibilité, sur les postes, les missions, sur le, les, la, la connexion, par exemple, pour pouvoir euh, avoir des billes, entre guillemets, juridiques pour euh, ju justifier votre refus de, du télétravail. Donc là, c'est possible, mais attention à bien verrouiller les choses juridiquement parlant. Sinon, votre refus sera contestable. Hein, donc, Exactement. Vous, euh... Exactement. Euh, y a-t-il d'autres questions euh, on, est, on a été un peu bavard, on a essayé de répondre à ce qu'on voit. Alors, il euh, y a une question. N'avez-vous pas constaté une diminution du temps de travail en télétravail du justement à ces laissés libres amenés euh, Non. Ah ben non. non. Non, on a, alors non, on a même constaté, constaté l'inverse. Hein. Mmh. Euh, euh, beaucoup de gens, alors c'était beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à déconnecter et qui nous disait, et beaucoup les managers l'ont constaté, on a, on a fait un questionnaire manager, un questionnaire collaborateur, et c'était euh, euh, unanime, c'est-à-dire que les gens, euh, comme ils n'avaient pas de temps de trajet, ben, régulièrement, ils travaillaient leur temps de trajet, et euh, donc il euh, y a beaucoup de gens chez nous qui sont en forfait, et globalement, les gens travaillent plus en télétravail qu'ils ne travaillent à... à, à... À la maison, euh, enfin, qui le travaillent euh, sur site sur et puis ils n'ont pas euh, la post-clope, la post-café, les discussions, même si ça peut être utile pour euh, enchanter le présentiel. Mais globalement, une augmentation du, du, du temps de travail. Euh, il y a une autre question c'est quel support juridique pour mettre en place le télétravail Alors, le, les supports juridiques, c'est un accord. Euh, vous pouvez signer un accord si vous avez des, des organisations syndicales au sein de votre organisation. Ou une charte, c'est ce qu'on avait avant, on avait une charte télétravail, ou ça ce qu'on ignore un peu plus, c'est qu'on peut mettre en place le télétravail de gré à gré, si je puis dire, c'est-à-dire euh, en signant en avenant avec, avec un collaborateur. Voilà. Et la charte, c'est unilatéral, c'est l'employeur qui peut décider de d'écrire une charte et de la mettre en place unilatéralement euh, dans son entreprise. Sans acceptation ni refus par le manager, le salarié peut-il être en télétravail Là, j'avoue, je pas bien la question peut-être sylvie tu vois euh... Euh, alors il est recommandé que le, le, le enfin c'est pas c'est pas open, open bar hein, c'est pas donc du coup euh, le, le télétravail doit être encadré donc il doit avoir euh, alors s'il a ni acceptation ni refus euh, c'est un peu compliqué quoi ça veut dire que le, le manager est muet je sais pas ou il sait pas écrire hein, j'ai du mal à, à, à répondre à cette question mais Globalement, il faut qu il y ait, que le manager sache quand son, son collaborateur est en télétravail et quand il ne l'est pas. Euh, voilà, c'est une bonne pratique, quoi, au minimum. Ce qu'on préconise, c'est que le manager pilote, euh, et c'est son rôle, pilote, il organise. Ouais. C'est ce un peu l'introduction qu'on a faite, c'est-à-dire que le travail hybride et le télétravail, ça s'organise et ça se pilote, et particulièrement par le management. Et y a-t-il d'autres questions qu'on n'aurait pas vues pour le moment Puisqu'on arrive au terme de notre euh, du temps imparti. Et si on a une petite dernière question, on y répondra. Je n'en vois pas. Il y en a une. Non. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions. Donc euh, je, avant de repasser la parole à Sylvie, puisque je l'ai, je vous remercie vraiment de votre attention et on espère avoir pu vous éclairer un petit peu sur ce sujet de, de notre retour d'expérience. Et je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Alors merci, euh, merci aussi à votre, pour votre écoute euh, et pensez à faire des expérimentations et à, à apprivoiser cette révolution. Euh, la, la question du management est importante et la question de, de l'analyse et de la préparation aussi. Alors on espère qu'on vous aura convaincu et on vous remercie encore une fois.